Nouvel épisode de Collection Naturaliste. Là, nous sommes dans une forêt d'épicéa. Qui dit épicéa dit forcément cône. Et nous, ça nous intéresse parce qu'il y a plein d'animaux qui aiment manger ces cônes. Voici un cône, justement, rongé. Mais qui a bien pu manger ces cônes? Eh bien, c'est assez simple, c'est l'écureuil roux. Cette découverte sera de rareté, eh bien, commune. Ouais, on en trouve assez souvent. L'écureuil va chercher dans les cônes, eh bien, les graines. Pour récupérer les graines qui sont à l'intérieur, il va arracher toutes les écailles du cône. Attention, je vais vous dire un petit secret. C'est assez peu connu, mais en fonction de comment a été mangé le cône, on peut déterminer si l'écureuil est droitier ou gaucher. L'écureuil arrache toujours les écailles du cône avec la main qu'il utilise le plus. Il suffit de regarder vers quel côté sont dirigés les filaments. Si on a plus à droite, l'écureuil est droitier. Si on a plus à gauche, l'écureuil est gaucher. Plutôt sympa comme information. Hâte de voir ce que nous trouverons la prochaine fois.